Coucou mes citrons, j'espère que vous allez bien et moi je vais très très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, ben bien sûr si vous êtes sur YouTube c'est je pense surtout pour une vidéo. Enfin bon, j'ai commencé à mettre des vidéos le mardi pour faire des créations rapides sur les Sims et aujourd'hui nous allons faire la création d'une youtubeuse qui s'appelle Sands Up que moi j'adore, je suis abonnée depuis un bon moment chez sa chaîne, enfin bon, vous m'avez compris. Mais si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller voir sa chaîne. De toute façon, je mets son lien dans la description. Et également dans la description, vous aurez les liens de tous les téléchargements, de tous les CC que vous avez besoin pour si vous voulez. Parce que moi, Sands Up, je l'ai mis dans la galerie. Il y a mon idée origine aussi dans la description si vous voulez retrouver Sands Up. De toute façon, je l'ai appelé Sands Up, hein. Vous devrez pouvoir la trouver aussi juste en marquant ça. Mais si vous voulez mon idée est également en description. Et tous les CC, si vous voulez que Sands Up apparaisse comme dans ma vidéo, sont aussi en téléchargement individuellement. Donc je sais, il y en a certaines personnes qui vont me dire, mais pourquoi t'as pas fait un pack? Tout simplement par respect pour les créateurs de CCC, parce qu'il y en a qui mettent des liens où ils génèrent un petit peu d'argent lorsque vous cliquez dessus. Et voilà, pour respect pour leur travail, parce que c'est quand même eux qui ont créé les CC, et bien je vous mets un lien vers leur téléchargement à eux. Et de toute manière, je sais aussi qu'il y a certaines personnes qui vont peut-être vouloir télécharger qu'une, deux, trois, quelques petites affaires et pas forcément la totalité. Il n'y a peut-être pas tout que j'ai utilisé dans cette vidéo qui peut vous plaire. Dans tous les cas, en ce qui concerne les CC, vous avez tout en description. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si ça vous plaît, à commenter, à me dire si j'ai réussi ou pas à la reproduire. Parce que je suis pas... Enfin, pour ceux qui me connaissent déjà d'avant et qui ne me découvrent pas grâce à cette vidéo, et ben je pense que vous savez que je suis pas très forte pour tout ce qui est recréer quelqu'un. Encore créer un Sims de mon imaginaire, ça va, ça passe, tu vois. Par contre, créer quelqu'un qui existe dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué, j'ai un petit peu plus de mal. Et là, je suis assez fière, on va dire. D'habitude, je suis assez dure avec moi, mais là, pour le coup, je suis assez fière. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ma création. Et je vous laisse sur de la musique pour regarder le reste de la vidéo. Moi, je fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live. En attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao, c'était la Quinzelle.